Bonjour, heureux de vous retrouver. Je voudrais tout d'abord vous présenter toutes mes excuses à tous pour le retard enregistré dans l'enregistrement des deux vidéos, soit les deux parties consacrées au présent sujet de l'abattage Halal, suite à la demande de beaucoup d'entre vous, surtout en provenance de la Belgique. Ce retard est dû à des contraintes strictement académiques dans le cadre de mes activités professionnelles et je vous en remercie vivement. Chers Mesdames et Messieurs, il est logiquement hautement souhaitable et utile, voire nécessaire, de parler d'abord des animaux et des oiseaux dont la viande est illicite, interdite aux musulmans, pour connaître ceux dont la chair illicite et permise à la consommation. Car c'est par la connaissance du nettement haram que l'on peut connaître d'autres animaux illicites prohibés outre ceux qui sont nommément précisés et permis, soit halal et dans le Coran même. Ce prélude est quasiment indispensable, car l'abattage que nous traiterons s'exerce sur des animaux halal et haram en général, mais il doit impérativement se pratiquer sur des animaux halal, d'où la nécessité de savoir donc ces animaux halal en définissant au préalable le sens de halal dans l'islam dans son concept général. La question de l'abattage relève des rites du culte. Lequel culte procède de la foi La foi en Dieu Donc la croyance monothéiste, revêtant sa principale caractéristique fondamentale et dominante, à savoir le spirituel, l'invisible, l'immatériel, soit l'opposé du matériel en un seul mot. Ainsi, l'on conçoit la relation entre le concept de culte avec ses rites dans l'abattage à la méthode islamique. Par conséquent, respecter l'abattage islamique, c'est respecter les rites des musulmans, par suite respecter leur culte. Et le respect de leur culte traduit le respect de leur foi et leur croyance monothéiste, ce qui équivaut au respect de Dieu auquel il croit. Voilà donc comment devrait se cristalliser dans notre esprit le respect de la méthode islamique de l'abattage en exprimant la considération que nous devons à l'islam et aux musulmans, lesquels ont à leur tour l'obligation de respecter non seulement les rites de culte des chrétiens, des israélites et des non-musulmans en général, soit les incroyants de toutes les catégories, et origines, y compris les polythéistes et les athées. En définitive, en définitive respecter le culte des musulmans, c'est respecter les 781 887 musulmans que compte la Belgique. Respecter la foi de ce nombre de citoyens belges, c'est respecter les 50 millions et demi. De musulmans de l'Union européenne, dont la Belgique est évidemment membre, et respecter en conséquence les musulmans européens, c'est respecter les plus de 1,7 milliard de musulmans. Voilà comment, au final, par le respect qui implique aussi la défense de la méthode islamique de l'abattage, qui assure aux musulmans une viande saine et pure, obéissant aux conditions d'hygiène pour la santé publique, en respectant tout cela, on respecte tous les musulmans de la planète. La question de l'abattage des animaux, dont la viande est consommable par l'être humain, selon les religions et les traditions, ne devrait être une pomme de discorde, mais plutôt une poire de concorde, à condition seulement que les conditions de l'abattage soit universellement admise ou tolérable pour l'animal et hygiénique et sanitaire pour l'homme. Mais, alas, tel n'est pas toujours le cas à propos de l'abattage selon les pays et les sociétés, notamment entre l'Orient et l'Occident et l'Asie, plus particulièrement entre musulmans et non-musulmans, chrétiens ou israélites, juifs, croyants ou incroyants, bouddhistes et adeptes de l'hindouisme, etc. Ainsi, les genres et les espèces d'animaux consommables ne font pas l'unanimité des gens selon leur religion, leurs croyances, leur culture et leurs coutumes. Par exemple, tandis que certaines populations ou races mangent n'importe quelle viande d'animal, de volaille ou de reptile, d'autres sociétés s'interdisent les mêmes animaux. Soyons plus clairs et passons à la démonstration sans plus tarder. Regardez ces chauves-souris, n'est ce pas de grandes familles des rats des rats. Eh bien, les chauves-souris, ces chauves-souris, vous le savez bien, on les mange bien en Chine, par exemple, comme on mange de la viande de bœuf, et c'est, croit-on, la source même du virus COVID-19, cause de la pandémie qui éprouve toujours gravement encore toute l'humanité entière. Eh bien, on les mange là-bas en Chine. Regardez encore ces serpents répugnants qui font peur d'ailleurs au premier regard, au premier coup d'œil, ben on les mange également. On les mange en Asie, particulièrement en Chine, en Corée, dans d'autres pays asiatiques limitrophes. Et l'on mange encore, et l'on mange encore des chiens, des chats, des rats, etc. etc. Et l'on dira, on nous dira, c'est leur problème, c'est leur problème, c'est leur problème, ou c'est leur droit. Regardez-les, regardez-les bien ces cochons-là. Regardez-les, observez-les. On nous apprend que l'essentiel de leur alimentation provient du maïs et du soja. Le maïs fournit de l'énergie et le soja fournit des protéines, comme on le sait. Ils mangent également d'autres céréales comme le blé et le sorgho. Les agriculteurs peuvent ajouter des suppléments pour s'assurer que leurs porcs obtiennent les nutriments nécessaires. Mais ce n'est pas toujours le cas, hélas. Les nutriments nécessaires les porcs les cochons des cochons pour les agriculteurs qui les laissent manger librement les agriculteurs qui n'ont pas les moyens de leur offrir des nutriments mais ce n'est certainement pas la même qualité d'aliments ni les mêmes substances nutritives c'est bien sûr beaucoup moins pauvre alimentairement et surtout insalubre et nuisible pour la santé alors chez ces cochons là vous serez surpris. Observez leur nourriture dans ces endroits de détritus non seulement mais de saleté, où pilules tous les genres de microbes, surtout dans les marécages sales. Regardez-les se nourrir de matière et de substances de tout ce que l'homme jette et injecte dans le sol, de matière sales et nuisibles pour la santé, soit toutes les sortes de scories, et de résidus, y compris les excréments humains ou animaux. Voilà de quoi mangent les cochons, voilà de quoi se nourrissent les cochons. Car un cochon, il mange tout, n'importe quoi. Son estomac est un fourre-tout, contrairement à d'autres animaux. Le porc n'est ni herbivore à 100%, comme par exemple le mouton ou la vache, ni carnivore à 100%, comme le chien ou le chat. Mais il est omnivore, car il mange de tout. Il mange même sa propre viande, de la viande humaine. Il mange aussi ses excréments, ce que ne fait même pas le chat, qui, comme vous le savez, a l'instinct salutaire d'enterrer ses selles ou de les couvrir du moins dans le sol. Un chat, ou même un chien, ça ne mange pas n'importe quoi. Voilà donc la différence. D'ailleurs, la médecine moderne a prouvé que le porc peut causer beaucoup d'ennuis de santé à l'être humain. Par exemple, la viande de porc contient un ver parasite que l'on appelle le ténia, transmissible à l'homme. L'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, dit à ce propos que cette infection peut engendrer des effets dévastateurs pour la santé humaine. Fin de citation. Il est aujourd'hui établi que le porc est porteur de plusieurs types de virus transmissibles à l'homme. À ce sujet, des leçons sont tirées par deux des meilleurs virologues du secteur porcin américain, le Dr. Torre Morel et le Dr. Culhane. D'autres épidémies de coronavirus qui se sont propagées dans le monde entier au sein de la filière porcine. D'ailleurs, en matière de transmission, le COVID-19 peut être mis en parallèle avec certains des coronavirus porcins que nous connaissons. Voilà donc des raisons diverses suffisantes d'ordre hygiénique et sanitaire, scientifique, à notre connaissance, entre autres facteurs que nous ignorons, pour que Dieu Allah et dans le Coran, son livre sacré, interdise formellement aux musulmans de manger la viande de porc. Une interdiction qui, sans être moins stricte que celle du vin, est cependant plus manifeste, car le porc ou le cochon (khinzir) a été prononcé dans une formulation de prohibition plus de fois que le vin et dans plus de sourates avec l'emploi du verbe interdire harrama aleikum et d'une façon immédiate à son émanation totale et définitive sans appel ce qui n'est pas le cas pour le vin qui d'abord a été interdit progressivement et par une formule indirectement synonyme d'interdiction sans l'emploi du mot harrama en effet, c'est dans les quatre sourates suivantes que l'interdiction de la consommation du porc est décrétée par Allah pour les musulmans. Premièrement, sourate 2, Al-Baqara, verset 173. Dans est « "Inna ma harrama alaykum al-maytata wa al-dama wa lahma al-khinziri wa ma uhilla bihi li ghayri Allah. Faman idtara ghayra baghin <smiling> wa la 'adin fala ithma alayhi." « Inna Allah rahim, al Traduction en français « Dieu vous a interdit seulement de manger la chair d'une bête morte, de mort naturelle ou égorgée sans observer la loi divine, le sang, la viande de porc et celle de tout animal sur lequel on aura, en l'égorgeant, invoqué un nom autre que celui de Dieu. Toutefois, celui qui est contraint d'en consommer son désir particulier et sans transgresser, les limites indispensables, nul péché ne lui sera imputé. En vérité, Dieu pardonne, il est miséricordieux, et c'est lui qui vous accorde des biens. Verset 3, surat 5, al-Ma'ida. <inaudible> «

Et par les chiens, que vous avez dressés d'après ce que Dieu vous a enseigné, et mangez de ce qu'il capture pour vous, et prononcez le nom de Dieu sur lui. Craignez pieusement Dieu, car Dieu est prompt au compte. Verset 145, surat 6, Al-An'Am. لا اجد فيما احيي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم Dit, je ne trouve en ce qui m'a été révélé aucune nourriture interdite à qui voudrait la consommer, à moins qu'il ne s'agisse de la bête morte, ou le sang répandu, ou de chair de porc, car elle est une souillure, ou ce qui, par perversité, a été tué en prononçant un autre nom que celui de Dieu, mais quiconque est contraint, sans chercher rébellion ou transgression, ton Seigneur est celui qui pardonne et miséricordieux. Enfin, verset 115, 16, النَّحْلَ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Dieu vous a interdit la bête morte de mort naturelle ou égorgée sans observer la loi divine, le sang ensuite, la viande de porc et la viande de toute bête de chair illicite sur laquelle on aura invoqué en l'égorgeant un autre nom que celui de Dieu mais si quelqu'un en mange par contrainte et non par révolte ou transgression alors Dieu pardonnera et il est miséricordieux à la prochaine vidéo si Dieu le veut je l'espère